bika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bomo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Nous voulons parler de la part de notre Dieu, bien-aimé, notre enseignement du jour est dans le chapitre des Romains 8, verset 30, et nous allons jusqu'au verset 31, c'est par là que nous allons tirer notre thème du jour. Que Dieu puisse parler à travers vous et que chacun de nous puisse être prêt pour écouter ainsi dit l'Éternel. Soyons calmes cependant que l'Éternel puisse parler à ses enfants et au moment où l'Éternel parle à ses enfants, c'est à ce moment-là que l'ennemi Satan aussi amène la distraction pour distraire le peuple de Dieu afin qu'il ne puisse pas être à la page. Amen. Nous voulons parler de Romains 8, verset 30, et nous allons au 31. Évitez les va-et-vient. Romains chapitre 8, verset 30, il nous dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, amen. Qui sera contre nous? Amen. 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 Notre thème s'intitule « Si Dieu est pour nous ». Si Dieu est pour nous. Amen. 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 Les enfants de Dieu, écoutez-moi un peu. Nous lisons. Nous avons lu au chapitre 8, verset 31, qui nous dit, je répète, que dirons-nous donc à ces choses? Que dirons-nous, bien-aimés, à ce que nous traversons? Qu'est-ce que nous pouvons dire aux difficultés que nous traversons? Qu'est-ce que nous pouvons dire aux problèmes qui nous accablent dans des situations compliquées, difficiles? Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de ces choses? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas une bonne santé. Rien ne marche dans ta vie. Tout est noir. Il y a des maladies dans ta famille. Vous n'avez rien. Vous demeurez toujours locataire. Et vous n'avez même pas l'argent pour payer les loyers. Vous demeurez toujours sans travail. Le chômage est accablé votre famille. Il n'y a rien qui va. Les nouvelles que tu as de l'Afrique, ou bien de l'Europe, là où tu résides, c'est une de mauvaises nouvelles. Oui, ta tante est morte depuis hier. Ton oncle est malade. Il y a cela. Mais que dirons-nous, bien-aimés, à ces choses, donc à ces choses que nous traversons? La Bible déclare, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Acclamons notre Dieu. Ce qui a eu Zambé, Zali Yassoli, Yadiso, Nano Yabouza, la contribution. Amen, amen. Si Dieu est réellement pour toi qui prie aujourd'hui, qui est chrétien, chrétienne, qui sera contre toi? Tout ce que le ministre Satan pouvait faire,
c'est zéro au devant de toi. Amen, amen. La fois dernière, vous savez très bien, Sylvie a eu un accident. Amen, amen. Mais elle ne sait pas, elle ne savait pas comment elle s'est trouvée de l'autre côté. On l'a fait quitter la bande où elle était, par ses démons, traverser de l'autre bande, où il y avait encore beaucoup de circulation, où on devait avoir beaucoup de circulation. Mais l'ange de l'Éternel, qui campe autour de nous, a bloqué à ce qu'il n'y ait plus, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de circulation, ni à gauche, ni à droite. Elle est restée intacte avec des enfants. Vous voyez, vous vous rendez compte, bien aimé, avec ce petit véhicule-là, des joues. Par rapport à un grand camion, bien aimé, avec cette vitesse-là. Amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Amen, amen. C'est trouvé dans cette situation avec des enfants à bord. S'il n'y a rien eu, ce Dieu, c'est l'ange de l'Éternel qui a été avec eux. Amen, amen. Nous croyons aux anges que l'Éternel nous envoie, mais nous ne croyons pas à ceux qui évoquent les anges. Amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. Paul utilise le passé pour souligner la certitude de cet événement à venir. Et ça veut dire que Dieu les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Et ce que Dieu a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Bien-aimés, Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, c'est fini. Amen, amen. Mais l'obéla, c'est fini. Amen, amen. L'obéla, c'est fini. Enough is enough. Amen, amen. Amen. Oui, c'est bon. Tu peux dire de ta façon. Amen. C'est fini. Amen. It's over. Amen, amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen, amen. Ça suffit. Si tu as Dieu, ça suffit. Amen. Personne ne sera contre toi. Tu peux te dire à Dieu que pourra. Oye, koya, eya. Amen, amen. Ce qu'on va vous dire dans Zambé, vous êtes moi dans Zambé, vous pouvez dans la tour de dire Zambé a zéro nangaï, et donc on va vous dire ça. Amen, amen. Zambé a zéro nangaï. Zambé a zéro nangaï. Et donc on va vous dire. Et qu'on est dit ça. Et donc on va vous dire. Et qu'on va vous dire ça. Pour être Zambé. Chapitre 116, 118, nous lisons le verset 6. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen, amen. Ça c'est notre bien-aimé. Amen, amen. David qui le dit. Dis-le comme David. Dis-le comme si toi tu étais David. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. Na lingala nous dit ceci. Yahweh azali pona ngai. Na kobanga eloko mon côté. Ni no ba mukile bakoko salanga. Ni no ba bakoko salanga. Amen, amen. Si Dieu est pour moi,
je ne crains rien. Amen. Personne ne me fera de mal. Personne ne me fera de problème. Laissez-lui, il est capable, il est libre. Disons amen. 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 Oui. L'Éternel est pour moi. Moi, son enfant. Moi, son serviteur. Moi, sa servante. Je ne crains rien. Amen. Je ne crains rien. Amen. Amen. En anglais, on dit quoi? Hein? Voilà, ma casse, Niok. Amen, amen, amen. C'est bon, c'est très clair. Je ne crains rien. Les problèmes peuvent arriver. Je ne peux pas les craindre. Les stratégies peuvent m'arriver. Je ne peux pas les craindre puisque l'Éternel est pour moi. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Oye koya eya. Pour des gens basali en gare. Na kobanga le pour mon côté. Na kobanga te. Tu y es ba. Na kobanga te. Mena basali ginanga. Na kobanga te. Nawe na. Ya zali. Amen, amen. Nakobanga te. Yahweh nangai, azali mubatili nangai. Nakobanga batute. Nakobanga problème te. Nakobanga mikakatani te. Ekoya, ekoleka. Amen, amen. Puisque Dieu est pour moi. Pourquoi tu crains, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu crains devant les problèmes? Pourquoi quand les situations difficiles t'arrivent, tu perds ta conscience? Tu perds tout. Tu es comme un enfant sans papa. Tu es comme un orphelin devant un problème. Non! Tu ne peux pas craindre un problème qui t'arrive. N'aie pas peur devant un problème. Ne sois pas orphelin. Ne sois pas orpheline. Puisque Dieu est pour toi. Et qu'est-ce que les hommes peuvent te faire s'il est avec toi et s'il est pour toi? Amen, amen. Bien aimé, Kobangi, ça n'a Kobanga, et y'a qu'un n'est pas Satan. Satan n'est pas Bangi, ça va pas. Mais il s'en est Kobangi, ça. Amen, amen. Satan n'a pas Bangi, ça n'a pas Bangi, ça n'a pas Satan. Quand tu as dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Amen, amen. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tu as dit, il y a tu as la position que je vais vous dire, mais je vais vous dire, je vais vous dire, amen, amen. Puisque l'Éternel est pour moi. Oh, qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Amen, amen. Ce qui gagne à pardonner, la manière dont vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de pardonner, c'est en 7 fois 7. Amen, amen. Et pour vous, vous êtes en train de pardonner. Vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de pardonner. Amen, amen. C'est Paul qui l'a dit. C'est Paul qui était devant le jugement avec le pécheur. Le jugement du pécheur. Amen, amen. Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Amen, amen. Zambe ko yebisa biso na ye. Oyo pardonné, ngai pe na pardonné. Amen. Et c'est que j'ai pardonné. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Il y a un des bien-aimés, Motosoki, à Salio Madé, pardonnez Kaka. Bossala Nayo. Amen, amen. Le reste, c'est Dieu qui le fera, puisque tu es son enfant. Ne crains rien. Ne crains rien. Amen, amen. Colossiens chapitre 2, nous lisons le verset. Le chapitre 2, verset 13.
Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les concisions, les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Yo, oh, il y a qui? Mon colon a monté à beaucoup. Du colon a ma soum. La inconcision, inconcision bien aimé. Il y a un autre là, yo. Un colon a perdu sur le monde. Un colon a fait grâce. Pour la yo, pour la offense, nous sommes pour la ma soum, nous sommes là qui. Un colon a fait un colon. Amen, amen. La verset 14, elle dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'ils existaient bien aimés contre nous. Il a éliminé à l'écroix à la croix. Amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. Attends, ma soumou, on y se trouve. Attends, mi kakata, non, je suis pas mou, madame, qui prend la gagne. Attends, ma bé, non, je suis pas mou, madame, qui prend la gagne. Tikaya, ou les amis, la miso. Assis, que c'est le cambo, pour être une autre, c'est un peu sa croix. Pour la police, à sol, le cazali, la gagne, le lombo. Animati, conso, ma soumou, la gagne. Comment on est tous pour des gagnants de maman? Amen, amen. S'il est pour moi, qui sera contre moi? Amen, amen. Il m'a rendu la vie. Il est avec moi. C'est mon conseiller, c'est mon avocat. Qui sera contre moi? Oui, vous avez cassé ce truc. Amen. Chapitre 3, Colossiens, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen, amen. Amen, amen. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, pardonnez vos frères, pardonnez vos sœurs. Amen, amen. Amen. Puisque le pardon est réciproque. Vous me pardonnez, moi, si je vous pardonne. Amen. Amen. Et déclare, pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dans notre prière, notre Père. Amen, amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Philippiens, chapitre 1. Verset 6. Amen, amen, amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, celui qui a commencé avec vous cette œuvre va la rendre encore bonne. Amen. Et bonne œuvre. Il va la rendre parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Écoutez les commentaires. Quand Dieu commence son œuvre de salut dans une personne, il l'achève et la perfectionne. Les verbes rendre parfaite suggèrent donc la sécurité du chrétien.
par rapport à l'éternité. Amen, amen. Les jours de Jésus-Christ, l'expression à ne pas confondre avec les jours de l'éternel. L'introduction à Joël. Un jour de notre Seigneur Jésus-Christ renvoie quant à lui au salut, à la récompense et la glorification ultime des croyants. Amen, amen. Revenons. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Tout ce que vous faites, bien-aimé, toute œuvre que vous faites, bien-aimé, faites-le pour la gloire de Dieu. Sois sûr de ce que vous faites. C'est tout ce que vous faites avec Jésus. Croyez-moi, bien-aimé, Jésus va rendre cela parfait et parfait pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Si toi tu as Christ en toi, si Christ est pour toi, personne, personne ne sera jamais contre vous. Amen. Amen, amen. Et tu peux marcher tête haute, sans crainte, ni peur, puisque Christ est dans ton côté. Les rois 6, verset 16. Les rois, chapitre 6, verset 16. Il est répondu, les trois points. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen, amen. Ça, c'est le miracle de la lutte contre les Syriens. Amen, Christ, notre Dieu, c'est pour dire. N'est qu'un point. Amen, amen. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimés, dans des situations, dans des problèmes que vous avez, bien-aimés, croyez-moi, vous êtes avec l'armée céleste qui vous conduit. Dans tout ce que vous avez compromis, je vous dis, bien-aimés, Dieu ne vous lâchera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais, puisque l'armée céleste est avec toi. Amen. 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 Combattre. Amen, amen. Et vous êtes plus grand. Amen. Plus grand nombre par rapport à ceux qui sont en train de vous combattre. Amen, amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. Ici, les rois de Syrie, nous pouvons lire à partir de du verset 8, pour bien éclairer cette situation. Les rois de Syrie étaient en terre avec Israël. Amen, amen. Toi, comme tu peux être en terre aujourd'hui avec tes ennemis. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire, roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et les rois d'Israël envoyaient des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois, ni deux fois. Les rois de Syrie
haït le cœur. Agité, il appelle ses serviteurs et leur dit, ne vous le voulez pas, mais déclarez, lesquels de nous est pour les rois d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne pour mon roi. Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen, amen. Amen. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre, on va lui dire, voilà, il est à Dothan. 14. Il y avait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et est sorti. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Amen, amen. Amen. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen, amen. Yes. J'ai tiré cela pour te dire bien que dans nos problèmes difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui, bien-aimés, croyez-moi, nous avons une grande armée derrière nous qui combat dans les secrets pour nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous allons terminer par Exode, chapitre 14, 13 à 14. Alléluia. Exode, chapitre 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne le verrez plus jamais. Yes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Bah, Égyptiens, oh, nous vous regardez comme on a oh. Amen, amen. Na polimu sarango. Bako tchacha. Amen, amen. Boda la kimia. Bovanda kimia. Moi-même, je vais combattre pour vous. Gardez silence. Moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. Amen, amen. Amen. Bah, problème, nous sommes là pour traverser. Et le mot de Yesu, et pour lui-moi, quand on a mis sa colline, nous sommes et pour la nette, il m'a pépé. Mais nous sommes là pour le mot de silence, mot de calme. Yahweh, vous êtes là pour le mot. Yahweh, là pour le mot. Amen, amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Acclamons notre Dieu, s'il vous plaît. Yahweh fomola lola babeli babika ye. Yahweh fomola lola basali basunguya. Yahweh fomola lola makambwe bomana ye. Yahweh fomola lola ye. Beta maboko wana makasi na ngambo banguna na yo ezobongwa na bakake lobitelelo eh.